bienvenue sur ma chaîne. Alors, avec Gabriel, on va vous présenter ce petit top, mais qui peut faire aussi tunique. Très facile à faire. Vous allez pouvoir jongler avec le col, je vous explique. Les coutures très faciles. Vous pourrez faire la longueur désirée très très facilement. Et au niveau du point, vous regardez si ça vous plaît. Ça fait des motifs très jolis. Voilà. Alors, ces motifs-là, ce n'est pas moi. Je les ai trouvés sur Internet et j'ai adapté, j'ai fait une petite création pour faire un top. Avec une technique que vous avez déjà connue avec moi, que vous avez beaucoup aimée. Du coup, je renouvelle. Comme ça, ça vous fera plaisir. Enfin, j'espère. Voilà. Alors, ici, au niveau du devant, j'ai fait un petit décolleté, vous pouvez le faire beaucoup plus grand. Derrière, je vais vous faire voir, je l'ai fait plus grand. La tunique, le but est de porter un petit débardeur, vous voyez, en dessous. Moi, je l'ai mis noir. Vous pouvez mettre un petit t-shirt très fin, manche longue, pour la demi-saison. Donc, cette tunique, ce top, va vous suivre autant en demi-saison qu'en plein été. Et même à l'automne, voilà. Donc du coup, ça va être très très sympa. Plus ou moins long. Hein, pour Gabriel, je l'ai fait un peu court. Vous avez un joli rebord en bas. Voilà. Je vous fais voir le dos et c'est parti. Donc toute taille, très facile. Hein. Bien sûr, le modèle que vous avez là, c'est à peu près un 38. Hein, voilà. Voilà, vous savez tout. Je vous fais voir le dos. Voilà le dos. Bon. Vous voyez ? Et ici, j'ai fait un décolleté un peu plus grand pour que ce soit sympa. Voilà. Donc, à vous maintenant de savoir si ça vous plaît. Alors, cet ouvrage, il faudra le bloquer un petit peu. Hein? Voilà. Au niveau du lavage. Allez. Et bien maintenant, on fait les explications. Alors, pour cet ouvrage et pour la taille à peu près, donc un 38. Et par rapport à la longueur que j'ai fait, parce que si vous faites une tunique plus longue, ce qui est faisable, hein, vous aurez besoin d'un peu plus de pelote. Et par rapport à la taille aussi. Donc pour mon modèle, hein, j'ai utilisé 3 pelotes de la Rio. Regardez comme c'est magnifique. De toute façon, vous l'avez vu sur la tunique, hein, les couleurs sont magnifiques. Hein. Vous en avez d'autres à tomber par terre. Hein. C'est du coton. Donc, mercerisé, pardon, ce que moi j'adore. Pourquoi ? Parce qu'il se ne dédouble pas. Alors absolument pas. Quand vous voyez le fil, vous voyez, il est vraiment, si je vous prends un peu plus clair, vous voyez, c'est vraiment, voilà, il se dédouble pas et moi j'adore. Les couleurs sont magnifiques, hein. Le fil est magnifique. Hein. Au niveau du point, un très bon rendu. L'ouvrage, vous voyez, est vraiment très, vous voyez, c'est vraiment très très joli. Le coton rend vraiment l'ouvrage intéressant, comme tous les cotons mercerisés. Au niveau travail, il se travaille super bien sur le crochet. Il glisse et il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, moi je l'adopte, donc il va faire partie de ma collection, donc vous aurez les conseils et bien sûr comme là, mon avis perso. Donc vous pouvez le retrouver sur la Mercerie du Bonheur, donc je vous mets le lien dans ma rubrique collection. Alors, côté technique, ce qui est intéressant, c'est que c'est 100 g 250 mètres, donc il y a quand même de quoi faire. Ensuite, hop. Alors, vous voyez, ça fait un côté jacquard. Hein? Alors, il préconise un 3, 3,5. Non, c'est moi perso, j'utilise un 4. Un 4 mm au niveau du crochet, c'est parfait. Pas trop lâche, pas trop serré. Ça donne un petit peu de la souplesse à l'ouvrage. C'est impeccable. Ensuite, bien sûr, il se lave. Voilà, hein, ça à titre indicatif, mais attention, c'est du tricot. Que vous dire de plus? Ah oui, s'il y en a qui aiment cette couleur-là,
je vous donne les références. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est parti avec ce fil magnifique pour faire un petit ouvrage sympathique, facile. Alors, pour faire cet ouvrage fort sympathique, il va falloir prendre les bonnes mensurations suivant ce que vous voulez avoir. Alors, je m'explique. En fait, l'ouvrage, c'est deux rectangles. Voilà. D'accord ? Deux rectangles. Et on va travailler sur la longueur. C'est-à-dire que la maille chaînette, ce sera la largeur. Et on va travailler sur la longueur. Ensuite, ces deux rectangles, on va les coudre ici, ici, et là, il y a la tête. Puisqu'on va les plier en deux. Donc, l'ouvrage, c'est-à-dire ça va être alors une partie bien sûr derrière, hein, voilà, et vous avez donc la partie devant qui est en fait, voilà, ici, voilà, et l'autre triangle, il va être ici, voilà, d'accord, voilà. Donc, il faut mesurer la largeur de votre ouvrage, c'est-à-dire vous prenez la moitié, donc au milieu de la poitrine, jusqu'à la largeur que vous désirez. Alors soit très près du corps, soit un petit peu plus loin du corps. Après, attention, cette largeur se mesure à deux endroits différents suivant l'utilité. Si ça s'arrête vers le nombril, un peu vers la hanche, vous mesurez ici au niveau poitrine, d'accord ? Si vous allez ici, c'est-à-dire en bas de vos hanches, vous voulez recouvrir les fesses et vos hanches sont plus larges que la poitrine, vous allez mesurer vos hanches. Attention, d'accord ? Donc, suivant la longueur que vous voulez, vous allez prendre des mesures différentes. Si c'est une tunique courte, vous allez prendre à peu près la poitrine si c'est le plus large. Si vous voulez la tunique beaucoup plus longue et que vos hanches sont plus larges que la poitrine, vous prenez vos hanches. Attention, vous prenez au milieu, c'est-à-dire à l'entrejambe, jusqu'à la hanche, puisque c'est un rectangle et vous aurez le deuxième ici. D'accord ? On ne fait pas que d'un seul bloc. Donc, suivant, vous me prenez la largeur la plus large, suivant la longueur. D'accord ? Ça va vous faire votre maille chaînette. Et ensuite, on va travailler sur la longueur. Voilà, qui va se replier devant, derrière. On va coudre ici. On va coudre ici. Et bien sûr, ici. Et ça permet de donner un décolleté comme vous avez envie. Et sur les côtés, soit vous laissez une ouverture en bas de l'ouvrage, soit vous allez coudre tout. C'est ce qui donne cet avantage technique de cet ouvrage, c'est que vous allez pouvoir le moduler comme vous voulez. Un grand décolleté, un petit devant, un très grand dans le dos. Sur les côtés, vous allez mettre juste un petit peu parce que ce sera juste pour dire... De le mettre et vous avez un t-shirt en dessous. Enfin, voilà. Donc, au niveau couture, on va pouvoir se faire plaisir. Mais je vous en reparlerai au moment de la couture. D'accord ? Donc, surtout, là, c'est prendre les bonnes mensurations. Voilà. Donc, j'espère que ça a été assez clair. Alors, ce point, je tiens à le préciser. On va le faire ici, je vous le redirai. C'est un multiple de 12 plus 7 à la fin de la maille chaînette. Et ça, on va le faire ensemble. Donc, pour mon modèle, pour Gabriel, le mannequin, j'ai fait 60 mailles chaînettes plus 7, ça m'a fait 67 au total. Voilà. Là, vous savez tout. Maintenant, on prend le crochet. Mesdames, le fait que vous voyez là, au niveau de la maille chaînette, on voit très bien
comment dire, la maille chaînette se rétrécir, d'accord, hein? À la base, elle est plate et elle va se rétrécir. Donc, vous allez me faire attention parce que quand vous allez faire votre maille chaînette, elle va, hop, se rétrécir. Donc, au niveau de la dimension, ce ne sera plus ce que vous aurez mesuré en centimètres. On est d'accord. Donc, alors, pour y remédier. Alors, pour y remédier et pour pas avoir des problèmes et de chaque fois tout recommencer jusqu'à avoir les bons centimètres désirés, vous allez faire une maille chaînette plus longue. Je m'explique. Vous avez par exemple mesuré, bon, admettons, j'arrive avec moi. Voilà. Vous avez, admettons, voilà, là j'ai 28. Bon. Vous avez mesuré les centimètres que vous avez besoin. Vous avez fait votre maille chaînette en fonction des centimètres que vous avez besoin, excepté que ça va rétrécir. Donc, vous allez faire une maille chaînette plus grande que les centimètres que vous avez besoin. D'accord? Donc, vous allez la faire beaucoup, beaucoup plus grande. Alors, pas non plus, mais quand même un peu plus. D'accord? Donc, moi, je me mets voilà, un petit marqueur parce que, comme j'ai quand même fait déjà un pain, je sais où j'ai besoin. Voilà. Là, donc, vous allez faire un plus. Hop. Voilà. Alors, c'est vrai que vous allez perdre un tout petit peu de fil, mais franchement, ça va vous éviter de recommencer votre maille chaînette avec 3 rangs sans arrêt. Ça va être infernal. Donc, quand vous avez atteint, vous, les centimètres que vous avez besoin, d'accord ? Hop, voilà. Et que c'est, attention, un multiple de 12. D'accord? Il faut que ce soit toujours un multiple de 12. Même quand là, vous avez rajouté. Et que c'est, faut que ce soit toujours un multiple de 12. D'accord? Bon. Quand ça, c'est fait, que votre maille chaînette est finie, un peu plus longue que prévu. D'accord? Et que c'est un multiple de 12. Ça, c'est bon. Voilà. Vous allez me rajouter 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. D'accord? Voilà. C'est un peu particulier, mais vous verrez, cette astuce va vous éviter de tout recommencer. Ça, c'est fait pour la maille. On va commencer à faire les points. Alors, on va faire un premier motif. Ce motif, c'est ce qu'on va répéter, mais pour l'instant, ce n'est pas les rangs de répétition. Là, on va faire des motifs. C'est la base de l'ouvrage. Après, il y a les rangs de répétition, que d'ailleurs, vous allez reconnaître de suite. Bon. Là, vous allez faire 2 mailles en l'air. Et on va compter. À la cinquième, on va faire une bride. Alors, 1, 2, 3, 4. Ici, à la cinquième, vous rentrez, vous me faites une bride à moitié. Vous rentrez dans la maille suivante et vous me refaites une bride à moitié. C'est-à-dire qu'on va faire 2 brides ensemble, tout simplement. Et on fait les 3 boucles. Ensuite, à la maille suivante, une bride. À la maille suivante, une bride. Voilà. Ensuite, ici, dans la maille suivante, vous allez faire une bride. 2 mailles en l'air. Vous revenez dans la bride, dans la maille, vous faites une bride. 2 mailles en l'air et on refait une bride dans la même maille. Ça vous fait ça comme motif. Ensuite, dans la maille suivante, une bride.
dans la maille suivante une bride. Donc, vous voyez, ça commence à faire l'ondulation. Ensuite, l'attention va faire que des brides ensemble. Donc, ici, dans la maille suivante, vous allez me faire une bride que l'on garde. Hop, alors. Attendez, au niveau lumière. Voilà, excusez-moi. Dans la maille suivante, une bride. Hop, je ne l'ai pas pris au bon endroit. Que l'on garde aussi. D'accord ? On saute une maille. On va à la suivante. On fait aussi. On fait aussi une bride que l'on garde. Ça en fait trois. On est bien d'accord. On y va tranquillou, hein ? Je saute une maille. Je vais à la deuxième. Je fais une bride que l'on garde. Et encore une deuxième. Voilà. Ce qui vous fait, si on compte ensemble, 1, 2, 3, 4, 5 brides sur votre crochet. Un jeté. Et on fait toutes les boucles. Et on fait une petite maille pour clôturer. À la maille suivante, une bride. À la maille suivante, une bride. Et on recommence en fait ce motif-là. Donc, à la maille suivante, une bride, deux mailles en l'air. On refait une bride, deux mailles en l'air. On refait une bride. Comme là. Ensuite, dans la maille suivante, une bride. Encore une bride à côté. Et là, on a fini le fameux motif. Ici, la bosse d'en haut. Maintenant, on va faire la bosse en bas. L'ondulation. Donc, on va refaire toutes les brides ensemble. Allez. Une. Deux. Je saute une maille. Je vais à la deuxième. Ma troisième bride. Je saute une maille, je vais à la deuxième, ma quatrième. Et dans la maille suivante, ma cinquième. Ok pour vous? Et on fait toutes les boucles et une maille. Donc vous voyez, en fin de compte, on fait nos ondulations. Donc on va faire ces ondulations jusqu'à atteindre les centimètres que vous avez mesurés tout au début. Vous vous souvenez? On va le faire ensemble. Donc, on refait encore ensemble. Ici, je vais faire, du coup, mes deux, ici, par rapport à la bosse d'en haut. Donc, une bride. Une deuxième. Je vais faire là, la petite bosse d'en haut. Donc, une bride, deux mailles en l'air, une bride, deux mailles en l'air et une bride. Et tout ça dans la même maille, bien sûr. Ensuite, je vais faire ma bride dans la maille suivante et la deuxième dans la maille suivante. Voilà. Et j'ai fait ma petite bosse en haut. Maintenant, je fais la bosse d'en bas où c'est toutes les brides ensemble. Allez, on refait ensemble. Une, deux, attention, je saute une maille, je vais à la deuxième. Trois, je saute une maille, je vais à la deuxième, ma quatrième et la maille suivante, la cinquième. Et toutes les boucles et une petite maille. D'accord ? Voilà. Donc là, c'est assez
sympa. C'est assez sympa à faire. On continue encore un peu ensemble si vous voulez. Hop. Là maintenant on fait la bosse d'en haut. Donc une bride dans la maille suivante. Une deuxième. Là, je vais faire ma bosse. Donc, dans la maille suivante, une bride, deux mailles en l'air. Je reviens dans la même, une bride, deux mailles en l'air. Et je reviens encore dans la même, et une bride. Une bride dans la maille suivante, et une bride dans la maille suivante. Et là, j'ai fait ma bosse d'en haut. Maintenant, on va faire l'ondulation d'en bas, la bosse d'en bas, dans la maille suivante. Une bride que je garde. Une bride que je garde. Je saute une maille, je vais à la deuxième. Une bride que je garde. Je saute une maille, je vais à la deuxième. Ma quatrième et ma cinquième bride. Et on fait tout et on clôture. D'accord ? Voilà. Donc là, vous allez faire ça jusqu'à la fin de votre maille chaînette. Enfin, la fin. Non. Jusqu'à avoir atteint les centimètres que vous avez besoin. C'est-à-dire que vous allez avoir un excédent de mailles. Hein ? On continue. Vous allez continuer. Je continue aussi. Et on se retrouve à la fin pour voir un petit alors, peu ce que moi, ça donne. J'ai fait mes centimètres que j'ai besoin. Voilà. Et vous voyez, il me reste de la maille chaînette. Alors vous, peut-être un peu plus, un peu moins, voilà. Mais il vous en reste, puisqu'on a fait une maille chaînette plus grande que les centimètres que vous aviez besoin. Pour la largeur, hein, d'accord? Rappelez-vous, le rectangle, la largeur. Donc, là, j'ai mes centimètres que j'ai besoin. Ici, hop, vous me finissez avec l'ondulation en bas. Pas en haut, toujours avec une ondulation en bas. Quand vous avez fini votre ondulation en bas, donc là vous voyez que c'est mes petites brides qui sont ensemble, dans la maille suivante, vous faites une bride. Dans la maille suivante, vous faites une bride. D'accord ? Et dans la dernière maille, vous allez faire une bride, deux mailles en l'air, et toujours dans la même maille, une bride. Voilà. On finit pas comme on a commencé. Ça, c'est un petit peu le côté un peu spécifique de ce point. À partir de là, hop, ici, on met un petit marqueur, voilà, pour pas que ça se défasse. Et là, vous voyez, vous avez un excédent de mailles, ce qui est normal. Ça vous évite, vous voyez, de refaire la maille chaînette jusqu'à avoir les centimètres. C'est-à-dire que là, si vous n'avez pas fait cette astuce-là, vous allez tout démonter, refaire une maille chaînette plus longue. Vous allez le refaire. Ah, ça ne va pas. On redémonte. On refait une maille chaînette plus longue. C'est infernal. Tandis que là, vous faites une maille chaînette beaucoup plus longue. Quand vous avez atteint vos centimètres, alors par exemple, moi, je vous donne l'exemple de celui que j'ai fait, voilà, ce pan là je l'ai fait exactement comme on vient de faire, hein. J'ai pas fait plus, j'ai pas fait moins, donc vous voyez en fait, voilà, ça me fait la longueur que j'ai besoin et là j'ai un excédent. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois j'ai mesuré ma maille chaînette avec mes points, donc avec mes ondulations, pour avoir mon centimètre que j'avais besoin. Quand j'ai réussi à avoir mes centimètres que je voulais, bien sûr, le point, il faut le finir ici. J'ai rajouté ça et ça m'a fait, voilà, la largeur de mon premier pan pour la tunique. J'espère vraiment que je suis assez claire. Hein. Voilà, je fais au mieux. Cet excédent de maille chaînette, eh bien, on va l'enlever. Donc, tout simplement, hop, alors là on y va avec minutie,
On peut y aller tranquillement avec une petite aiguille et on défait le petit nœud. Alors comme en plus c'est du coton, ça se fait assez facilement. Ouais, il suffit juste d'attraper le bon juste d'avoir des cartouilles un peu. Voilà, vous voyez, on tire doucement. Voilà. Là, on défait aussi. Voilà. Et après, il suffit de tirer, vous voyez, sur les petites, sur la petite boucle. Voilà. Et on défait doucement la maille chaînette. Ça, c'est une astuce qui est très intéressante quand votre maille chaînette se rétrécit par rapport au point, ce qui est le cas aujourd'hui. Et ça évite, oh mon Dieu, de refaire et de défaire 50 fois. Voilà. Donc là, vous faites attention. Après, vous voyez là, j'ai ma maille sur mon point. Et là, je serre. Voilà. Et ça me fait mon nœud avec ma dernière maille. Et bien sûr, l'excédent de fil. Hop, vous le coupez un chouïa. Vous gardez toujours une marge pour après rentrer le fil correctement, mais c'est fait. Ouais. Et en une seule fois, vous avez fait votre base, votre maille chaînette. Voilà. Ça. Et ça, moi, c'est fait. On est tranquille. Alors, on est toujours dans les rangs de base. Hein. Une maille en l'air, on tourne. Dans la première maille, on rentre, on fait une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ici, vous avez vos 3 brides. On rentre et on fait une bride sur chaque bride. Là, on est au motif. Une maille en l'air qui permet de sauter ce petit motif-là. On va faire nos 3 brides suivantes. 1, 2 et 3. Pour ce motif-là, 1, 2, 3, une maille serrée sur la petite bride qui est au milieu, 1, 2, 3, et on rentre dans les brides, on fait nos 3 brides classiques. Donc vous voyez que c'est assez facile. Là, on a le motif d'en bas. Une maille en l'air. On refait nos 3 brides. On est au motif d'en haut. 1, 2, 3. Ici, la maille serrée. 1, 2, 3. Et on repart sur nos 3 brides. Donc vous allez me faire ça jusqu'à la fin du rang. On se retrouve à la fin pour que je vous fasse voir comment on finit. D'accord? Voilà. Et ainsi, on garde les ondulations. Quand vous êtes à la fin, ici, vous avez comme une maille et là, vous avez les mailles en l'air. Vous allez faire une bride sur la petite maille en l'air, là. Ça, vous me le sautez et vous allez sur la maille en l'air d'à côté et vous faites une bride. Voilà. Ce rang-là, il est fini. Le rang suivant, il est à l'identique. 3 mailles en l'air qui représentent une bride. On tourne. Vous me faites mes 3 brides. Il n'y a rien qui change.
Vous allez voir. Alors, hop. Oh, est-ce que je vais avoir un nœud sur mon fil? Peut-être. Là, vous faites les trois mailles en l'air. Toujours une maille serrée sur la maille serrée. Les trois mailles en l'air. Mes trois brides. Ici, la maille en l'air. Et je recommence. Trois brides, les trois mailles en l'air, la maille serrée, ainsi de suite. Donc, vous me faites exactement pareil. On se rejoint à la fin pour finir. Pour finir, vous avez fait vos trois dernières brides. Trois mailles en l'air. Et sur la maille serrée, vous faites une maille serrée. Voilà. Ça, c'est fait pour ce rang-là. Le rang suivant, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On tourne. Toujours mes 3 brides. 1, 2, 3. Au lieu de faire une maille en l'air, on va en faire 3. 1, 2, 3. Les trois brides. Et là, on arrive ici sur le petit motif. On fait deux mailles en l'air. Et sur la maille serrée, on fait une bride. Deux mailles en l'air. Et on reprend. Tout simplement. Voilà. Petite nuance. Hein. Et c'est reparti. Voilà. Ici donc, 1, 2, 3. Et on continue. Deux mailles en l'air. Sur la maille serrée, une bride. Deux mailles en l'air. Et on continue. Voilà. D'accord? Donc là, on voit apparaître, vous voyez, le motif qui là va se fermer. Là, il y en a un autre. Vous voyez? Et là, c'est en fait la moitié d'un motif ici. C'est pour ça que on commence ou on finit pas de la même façon. Voilà. Puisque là, vous voyez, c'est un motif, hop, c'est un motif entier. Là et là, il va se fermer. Tandis que au début, là, c'est que la moitié ici. Voilà. Donc c'est pour ça que cette moitié, un coup, elle est de ce côté, un coup, elle sera de ce côté puisque ça intercale. Hein? Voilà. C'est pour que vous arriviez à comprendre un petit peu ce que vous faites, mais ça se voit quand on regarde hein, les motifs. Allez, vous finissez le rang. On se retrouve à la fin pour finir. Vous avez fait vos trois. Là, il vous reste les trois mailles en l'air, donc c'est la bride. Vous faites une maille en l'air. Vous rentrez dans la maille et vous faites une bride. Voilà, tout simplement. Hein? Et voilà. Ça commence à prendre bien forme. Là, on voit le motif. Vous voyez ici. Un deuxième, un troisième, oh pardon, troisième, ici un quatrième, vous voyez, tac, tac, là c'est la moitié, hein, comme je vous disais, voilà. Donc ça va être très très sympa. Puis les changements de couleurs, moi j'adore, puis j'adore ces couleurs, bon, je vous kiffe. Alors, je vous rappelle à titre indicatif que vous avez toujours le petit PDF à 2 € sous le lien, là, sous la vidéo. Je vous mets le lien pour avoir le PDF et les explications écrites pas à pas de cette tunique pour ceux qui préfèrent l'écriture ou associer l'écriture et la vidéo. Des fois, c'est pas mal. Voilà.
Bon, eh bien, on va continuer. Alors, nous continuons. 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On tourne. Ici, nous avons nos 3 brides. Alors, on va faire ici dans la première bride, une bride. Tout simplement. Voilà. Dans ces deux-là, on va faire 2 brides ensemble. Donc, on rentre dans la première. On fait les 2 premières boucles, on garde. On va dans la deuxième. 2 premières boucles, on garde. Et on fait toutes les boucles. Donc, vous voyez, 2 brides ensemble. Ensuite, une maille en l'air. Ici, vous allez faire une bride sur la bride. Une maille en l'air. Les 2 premières, on les fait ensemble. Et la dernière, une bride. Donc, vous vous apercevez que les 2 brides ensemble sont à l'intérieur du motif. Et ce qui est à l'extérieur, ce sont des brides toutes seules. Petite astuce pour mémoriser. Là où on a 3 mailles en l'air, on va en faire 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on recommence sur le motif. Donc, la première qui est à l'extérieur, c'est une bride. Les 2 à l'intérieur, par rapport à ici, hein, on les fait ensemble. Voilà. Une maille en l'air. Notre petite bride centrale. Une maille en l'air. Ici, à l'intérieur, on fait les 2 brides ensemble. Et à l'extérieur, la petite bride toute seule. Nos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on recommence. D'accord? Allez, jusqu'à la fin du rang. La fin. Donc la fin, c'est les 5 mailles en l'air. Et ici, on fait comme un début de motif, c'est-à-dire la bride toute seule et les 2 ensemble. Et ensuite, pour finir, vous faites une maille en l'air. Vous sautez 1, 2, 3, les 3 premières mailles et vous allez à la quatrième. Voilà. Et on fait une bride. Tout simplement. Voilà. Et on a fini le rang. Allez, on continue. Alors, le rang suivant. 2 mailles en l'air. Ça va vous parler un petit peu. Ensuite, ici, nous avons une maille et une maille. On est bien d'accord. Donc, on fait les 2 brides ensemble. Donc, je rentre dans la première maille. Je garde la deuxième, je garde et je fais toutes mes boucles. Maintenant, on va travailler sur les brides, les 5 mailles qu'on a fait ensemble. Alors, la première, chez moi, elle est toujours un peu écrasée. Peut-être que chez vous, c'est pareil, donc vous faites attention. Donc, moi, je rentre comme ça parce que sinon, j'y arrive pas. Voilà. Ici, une bride dans la première maille. Dans la maille suivante, une deuxième bride. D'accord? Ici, dans cette maille, donc, qui est la centrale, la troisième maille. On va travailler, on va faire une bride. 2 mailles en l'air. Je reviens dans la même maille. Une autre bride. 2 mailles en l'air. Et je reviens ici. Et je refais une dernière bride. Donc, ça me fait dans la même maille ce motif-là. Ça vous rappelle quelque chose quand même. Hein? Voilà. Ensuite, dans la maille suivante, une bride. Et dans la maille suivante, une bride. Voilà.
Ensuite, alors là, tout ça là, ça va être que des brides ensemble. On va y aller tranquillou. Ça fait ce qu'on avait fait tout au début. Hein? Donc, première maille, une bride que je garde. Idem pour la deuxième. Là, je vais sur ma bride toute seule. Et je vais sur les deux dernières. Et ça me fait 5 brides sur le crochet. Et je fais toutes mes boucles et une maille. Et là, je vais recommencer. Donc, voyez-moi, elle est toujours écrasée la première. Alors, si vous n'arrivez pas à rentrer comme ça, ce qui est mon cas, moi, je rentre avec la pointe. Voilà. J'écarte un peu et j'arrive à rentrer. Si vous avez le même problème que moi. Une bride. Une deuxième. Et dans la troisième, je fais le petit motif. Une bride. Deux mailles en l'air. Une bride. Deux mailles en l'air. Et une bride. Dans la maille suivante, la bride toute seule. Et dans la dernière aussi. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? Comme au début, on refait ce système d'ondulation, tout simplement. Et là, on fait l'ondulation vers le bas, bride sur le crochet. Et voilà. D'accord? Allez, vous me faites ça tout le long. On se retrouve à la fin pour que je vous dise comment finir. Alors, pour finir, donc, vous avez fait le motif d'en bas. Dans la première maille, vous faites une bride. Dans la deuxième, vous faites une bride. Et dans la troisième, vous faites une bride. Deux mailles en l'air. Vous revenez dans la même bride et vous faites une bride. Donc, un petit motif à la fin. Une bride, deux mailles en l'air, une bride dans la même maille. Voilà. Et on a fini le rang. Alors, maintenant, on va commencer les rangs de répétition. Ok ? Vous en avez 10 au total. Alors, soit vous prenez des notes, soit vous avez le PDF qui vous attend. Alors, c'est pas compliqué puisque les rangs de répétition, c'est ce qu'on a fait déjà ici, tout simplement. Mais dans la bonne position par rapport au point précédent. Voilà. Alors, premier rang de répétition, une maille en l'air, on tourne, hein, une maille serrée, tout, on a déjà tout vu ensemble, hein, mais on refait nos rangs de répétition quand même ensemble. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Nos 3 brides. Une maille en l'air pour sauter le motif du bas. On refait nos 3 mailles, nos 3 brides, pardon. Voilà. Nos 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ici, la maille serrée sur la bride. 1, 2, 3. Et on fait nos 3 brides. Et on recommence comme ça jusqu'à la fin du rang. Ça vous parle, hein? Voilà. Une maille en l'air. Nos 3 brides.
nos trois mailles en l'air, la maille serrée, trois mailles en l'air et nos trois brides. D'accord. Et on recommence. Allez, c'est parti. Pour finir le rang, vous avez fait votre motif, nos trois brides. Et ici, rappelez-vous, vous aviez ici une bride ensemble et deux brides ensemble. Et là, les deux mailles en l'air. Et vous piquez dans la première maille, ici, là, pour faire une bride. Ici, hop. Voilà. Bon, je rentre comme ça parce que sinon je vais avoir du mal. Ah, il y a encore un. Non, elle est là. Voilà. Alors, elle a tendance à s'écraser. Hop. Voilà. D'accord ? Ici, cette maille-là, vous la sautez. Vous allez dans les deux petites mailles en l'air pour finir. Voilà. Donc, ça, c'est notre premier rang de répétition qu'on vient de faire. Notre deuxième rang de répétition. Il est identique au premier. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air qui est une bride. Nos 3 brides, c'est exactement le même. Une maille serrée sur la maille serrée. C'est vraiment pareil. Hop. Ici, toujours la petite maille en l'air. Et on recommence. Voilà. D'accord ? Pour finir le deuxième rang de répétition, vous faites les trois mailles en l'air, comme ceux qu'on a ici, et la maille serrée sur la maille serrée. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc maintenant, on va faire notre troisième rang de répétition. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. On tourne, toujours nos brides, ici au lieu d'avoir une maille en l'air, on en a trois, et nos trois brides. Pour ce motif-là, on va faire deux mailles en l'air, une bride et deux mailles en l'air. Et c'est reparti. Voilà. Là, c'est rien de compliqué. Ça glisse tout seul. Ça se crochette tout seul. Un, deux, trois. Au lieu de une seule. Alors, entre le fil qui glisse tout seul et les motifs qui se font tout seul, l'ouvrage va se faire tout seul. Les deux mailles en l'air, et là on se fait une bride. Et on recommence. Voilà. Allez. C'est parti, on se retrouve à la fin pour finir. Pour finir, ça va être, donc vous avez fait votre motif, une maille en l'air, et dans les petites mailles en l'air du début, on rentre et on fait une bride. Voilà, tout simplement. Et on a fini notre troisième rang. Allez, maintenant notre quatrième rang de répétition. On va faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
On tourne. Hop. Voilà. Et rappelez-vous, c'était une bride et à l'intérieur du motif, c'était les deux brides ensemble. Donc vous voyez, hein, tout ce qu'on fait, vous l'avez déjà vu. Deux brides ensemble. Une maille en l'air, la bride, la maille en l'air. Là, on est à l'intérieur du motif, donc les deux brides ensemble. La bride toute seule. Et ici, au lieu d'avoir les trois, on en fait cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Une bride. Les deux brides ensemble. Ici, une maille en l'air. La bride. La maille en l'air. Les deux ensemble. Et la bride toute seule. Voilà. D'accord? Ce qui vous fait... Alors, on va faire un petit point. Là, vous voyez, on a ici le motif entier. D'accord? Et là, on n'avait que la moitié. Vous le voyez là? Là, on a le motif ici. Et là, on a que la moitié. Et après, quand on refait un motif, là, il est entier, d'accord? Là, il est entier, hop, ici, et le demi, il est là. Donc, un coup, il est à droite, un coup, il est à gauche. Le demi, que la moitié du motif. C'est pour ça que ça varie un petit peu, en début et fin de rang, ça varie en fonction de là où il y a la que la moitié du motif. Vous voyez comme ça fait joli? Là, vous avez un motif. Et du coup, l'autre motif suivant, il est décalé. Vous voyez, là, il y en a un. Là, il y en a un. L'autre, il est là. Ça se décale. Tac, tac. Voilà. Et j'adore les couleurs. Qu'est-ce que ça se marie bien quand on passe du blanc au rose, un peu fuchsia, après au gris. J'adore cette façon que les couleurs, elles ont de s'installer. Voilà. Revenons. Je me suis éloignée. Donc, vous continuez pour le rang de répétition numéro 4. Vous continuez. Et on se retrouve de finir le rang. Et une maille en l'air. 1, 2. Et une bride. Voilà. D'accord? Et là, on a fini. Maintenant, on s'attaque au cinquième rang de répétition. C'est nos deux mailles en l'air. On tourne. Là, on va... C'est le rang des ondulations. Donc, ici, deux brides ensemble. Une. Deux. Et rappelez-vous, on travaillait sur les cinq mailles en l'air. Donc, la première, hop, une bride, la deuxième, une bride, et la troisième, on fait le petit motif, une bride, deux mailles en l'air, une bride, deux mailles en l'air, et la troisième bride, et on a fait notre petit motif. Dans la maille suivante, une bride. Dans la deuxième, une bride. Et là, hop, excusez-moi, j'installe un peu. Voilà. On fait toutes les brides ensemble. Donc, une, on garde. Deux,
3, 4, 5, vous voyez? Et on fait toutes les boucles et une maille. Et on recommence sur les 5 mailles en l'air, les prises d'ensemble, etc. D'accord? Et on fait, vous voyez, on refait l'ondulation. C'est parti. Pour finir le rang, on a fait le motif d'en bas. Nos deux brides dans les mailles en l'air. Et à la troisième bride, ici, vous allez faire une bride, deux mailles en l'air. Et dans la même maille, on refait une bride. Hein? Ça vous parle, hein, que ça vous parle. Voilà, donc là, on a fini notre cinquième rang de répétition. Donc, vous avez bien remarqué qu'à chaque fois qu'on recrée l'ondulation, on repart sur des nouveaux motifs. Donc là, il y a un motif, ben, le nouveau, il va être ici, au-dessus. D'accord? Chaque fois, vous voyez, on décale. Vous voyez, là, il y a un motif, et là, il est en haut. Vous voyez, hop, on décale. Donc là, on va tac, tac, on va décaler aussi. Voilà. Hein? C'est sympa, hein? Oh, je kiffe! C'est pour ça que je le fais. Allez, on continue. Alors, notre sixième et septième rang de répétition vont être les mêmes. Rappelez-vous, hein? Alors, une maille en l'air. La maille serrée. Hop. Nos trois mailles en l'air. 1, 2, 3. Nos trois brides. Voilà. Sur le motif d'en bas, une maille en l'air. Nos trois brides. Voilà. Ici, trois mailles en l'air. La maille serrée sur la bride. Les trois mailles en l'air. Et les trois brides. Et on recommence. D'accord? Voilà. Donc là, on est en train de faire notre sixième rang de répétition. Le septième est le même, d'accord? Donc vous me faites le sixième, le septième rang de répétition. On se retrouve. Ah oui, mais je voudrais vous faire revoir la fin. Bon, alors, je rectifie. Là, on fait notre sixième rang de répétition. On se retrouve à la fin pour vous faire revoir comment finir. D'accord? Voilà. Allez, on va faire ça plus simple hein, au cas où. Alors, pour finir le rang, pensez que on saute ici la maille. On a les deux petites mailles en l'air ici. Et vous rentrez dans la première. Hop. Ah, j'y étais. Dans la première. Et vous me faites une bride. Voilà. D'accord? Bon. Donc, notre septième rang de répétition, ce que je disais tout à l'heure, c'est donc l'identique. Nos trois mailles en l'air. La maille en l'air ici, nos trois mailles en l'air, la maille serrée, à l'identique. D'accord? Donc là, vous allez faire trois mailles en l'air. Hop. Pour faire une bride. 1, 2, 3. Voilà. Là, vous allez me faire les trois brides, etc. Et ici, quand vous arrivez à la fin, il est facile, c'est exactement ce que vous avez là. Vous finirez par trois mailles en l'air et une maille serrée sur la maille serrée. Là, vous n'avez pas besoin de moi, c'est exactement pareil. Allez, on fait le septième rang de répétition et on se retrouve pour le huitième. Allez, on attaque notre huitième rang de répétition en faisant 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Je fais mes 3 brides. Et là, je fais 3 mailles en l'air. Et je refais
mes trois brides. Là, je vais faire deux mailles en l'air et sur la maille serrée, je fais une bride. Deux mailles en l'air et je recommence. Voilà, tout simplement. Un, deux, trois. Et je continue. Donc, vous allez me faire ça jusqu'à la fin du rang. Et la fin du rang étant facile, je vous l'explique. Ici, vous faites vos trois brides. Là, vous avez les trois mailles en l'air du début. Vous faites trois brides, une maille en l'air et une bride dans la maille en l'air, tout simplement. Allez, et vous aurez fini votre huitième rang de répétition. Go ! Neuvième rang de répétition. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On tourne. Ici, une bride et les deux brides ensemble. D'accord ? Une maille en l'air. Une bride. Une maille en l'air. Deux brides ensemble. Et une bride. Ici, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. La bride. Les deux. La maille en l'air. La bride. La maille en l'air. Les deux ensemble. Et la bride toute seule. Et là, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous continuez jusqu'à la fin du rang. Je vous fais voir, je vous refais voir comment on finit à la fin du rang. Alors, allez. Pour finir, vous allez donc, vous avez fait la bride et les deux brides ensemble, une maille en l'air et 1, 2, 3, vous rentrez et vous faites une bride. Voilà, donc là on a fini notre 9e rang de répétition. Et enfin notre 10e rang de répétition et notre dernier, on va faire donc... Rappelez-vous, là on est en train de finir le motif. Vous voyez là, on l'a fini. Donc là on va finir par l'ondulation. L'ondulation finit le motif, mais prépare pour le suivant. Allez, deux mailles en l'air. Voilà. Deux brides ensemble. Un. Voilà, les cinq. Donc, hop, une bride, la deuxième, et on fait le motif. Une bride, deux mailles en l'air. Une bride, deux mailles en l'air. Et la dernière bride pour faire notre motif. On suit avec les deux brides suivantes. Voilà. Et ici, on fait toutes les brides ensemble. Hein, c'est pour faire l'ondulation. Une, deux, trois, quatre et cinq. Toutes les boucles et la maille. Et on recommence. D'accord ? Et on refait donc ce que je disais. J'arrive. Hop. On refait notre ondulation. Allez. Vous me faites ça. Je vous refais voir comment finir.
Et on continuera, vous continuerez, je continuerai. Donc là, vous avez fini votre motif du bas. Vous me faites deux brides dans une petite maille en l'air. Et pour finir, dans la maille suivante, vous faites une bride, deux mailles en l'air. Et dans la même maille, une autre bride. Voilà. Donc, nous avons fini notre dixième et dernier rang de répétition. Donc là, ce que vous allez faire maintenant, c'est reprendre le premier rang de répétition. Premier. Donc là, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord ? Voilà. C'est-à-dire que les 10 rangs de répétition, hein, c'est... Alors, attendez, que... Voilà. Voilà. Nos 10 rangs de répétition, c'est 2 motifs, en fait. Voilà. C'est-à-dire... Alors, je vais prendre ici. Un motif ici et un motif... Oui, un motif ici. Voilà. Donc, ça vous fait 2 motifs. Voilà. Là, vous avez 5 rangs. Là, vous en avez 5, ce qui vous fait 10 rangs de répétition. Alors, vous avez vu que les 10 rangs de répétition, c'est les mêmes. Mais c'est toujours pareil. Vous voyez, là, vous avez le demi-motif. Alors que là, il est ici. C'est pour ça qu'il y a 10 rangs. C'est pour jouer avec le demi-motif. Un coup ici, un coup là. Voilà. Et là, vous avez la totalité. Donc, les 10, on refait les 10, on refait les 10, jusqu'à la hauteur, donc la longueur du pan que vous voulez. Bien sûr, vous faites 2 pans. Hein, voilà. Et suivant la longueur que vous voulez, comme on avait dit... Le nombril, le début de la taille, après les cuisses, les genoux, la cheville, ce que vous voulez. Voilà. Hein, ça, on a fait en maille chaînette la largeur. Et là, on fait la longueur qui part du devant et hop, qui va derrière. Hein, que d'un seul trait. Voilà. Donc, vous me faites les deux pans et on se retrouve pour le côté couture. Alors mesdames, maintenant que vous avez vos deux pans, alors à titre indicatif, mes pans à moi, ici, là, donc ils font de long, donc quand on ouvre, hein, de long comme ça, ils font 88 cm, hein, et de large, de là à là, il fait 28 cm. Alors, Vous avez fait la longueur que vous avez eu besoin, hein, de faire, hein, et la largeur aussi. Donc maintenant, on va les rejoindre. Alors, les rejoindre, c'est-à-dire qu'en fin de compte, alors, je le fais avec une main, je suis désolée, donc c'est pas évident. Voilà, le but, ça va être de faire ici l'encolure que vous allez avoir besoin, puisque instinctivement, ça va se mettre en place tout seul. Voilà. Ici, vous allez commencer à coudre. Alors, un pan de devant avec le pan de devant et le pan de derrière avec le pan de derrière, hein, bien sûr. Puisque ici, là, c'est votre tête. Enfin, le cou. Voilà. Donc, vous allez coudre. Alors, je vais vous faire voir comment coudre. Vous allez choisir votre encolure. Du coup, vous allez pouvoir soit faire une très grande encolure ou pas, suivant ce que vous aimez. Vous allez coudre de là jusque là. Ensuite, ici, le pan avec lui-même, sur le côté, vous allez avoir le choix. Soit, ici, vous laissez la place pour les bras, soit vous faites toute la couture classique, hein, ou vous faites une partie et vous laissez cette partie libre, comme des fois on voit. Hein? Donc ça, ce sera à vous de voir. Donc au final, ce qui est assez sympa, c'est que vous avez juste ça, ça et ça. Et votre blouse, tunique,
ou top, tu vois, un peu la longueur que vous avez décidée, sera fait. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est replier sur eux-mêmes le pain, sur lui-même. Voilà, les deux. Hein, voilà. Et vous allez essayer, voir où vous allez commencer à faire la couture. Donc, je vais vous faire voir la petite couture invisible qu'on va faire ensemble. Alors, c'est vous parti. Allez prendre une aiguille à laine, du fil. Vous mettez donc côte à côte, voilà, les deux pains. Alors, vous faites attention que ce soit bien du même sens, hein, au niveau motif, voilà. Et on va coudre, voilà, tout simplement. Alors, moi je vérifie, on va vérifier ensemble. Donc, déjà, ici, le côté et le côté sont le même, voilà. Le motif, hop, on vérifie, là, ça fait, hop, et ça fait aussi là, donc c'est bon. Voilà, vous voyez, il faut vraiment que le motif soit dans le même sens. Et les bords aussi. Et à partir de là, on va coudre. Donc là, on fait l'encolure. On est bien d'accord. Hein? Donc, l'encolure, je rappelle, ça va être juste une partie. Alors, attendez. Voilà. Une partie, puisque c'est replié en deux. Attention. Alors, attendez, je vais essayer de vous faire voir. Ne bougez pas de votre siège. Je vais vous faire revoir. Alors, attention. N'allez pas me coudre la totalité. Il me faut l'espace pour la tête, hein, pour passer la tête. On est bien d'accord. Donc, quand vous allez faire la couture, ici, c'est penser que c'est plié en deux. Hop. Voilà. Ça. D'accord ? Voilà, donc vous me faites pas la totalité, c'est-à-dire que vous allez faire ici le devant une partie, on va laisser un trou et on fait le dos, on est bien d'accord, hein? Attention, sinon vous ne pourrez pas passer la tête, ça sera joli mais pas utile. Donc au niveau couture, c'est la fameuse couture invisible, ce qu'on parle souvent, ce qu'on fait souvent ensemble. Donc, hop, on rentre au niveau du nœud, voilà. On va faire un nœud, hop, et là, vous me rentrez dans le brin. Alors, attendez, je vais essayer à ce que ce soit le plus, voilà, le plus clair possible. On va zoomer. Voilà. Ici, vous avez le brin qui est à l'extérieur. Et ici, vous avez le brin qui est à l'extérieur. Donc, on prend le brin à l'extérieur et l'autre brin à l'extérieur. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va faire la couture. Tout simplement. On prend le brin extérieur, le brin extérieur, et on fait la couture. Alors, pas besoin de serrer comme une malade. Vous tenez après l'extrémité et vous tirez un peu sur le fil pour que ça devienne invisible. Voilà. Le brin extérieur. Et le brin extérieur, toujours. En plus, avec ce coton, c'est très facile, parce qu'en plus, comme il ne se dédouble pas, c'est impeccable. Voilà. Le brin et le brin. Vous faites attention de ne pas décaler les deux pans, hein, que ce soit bien face à face. Hein. Voilà. Et ainsi,
comme ça tout le long. Et ça va être ça pour toutes les coutures. Donc on fait le central, d'accord, hein, puisque c'est le but, c'est de faire le central. Je vous refais voir. C'est ça, cette partie-là, hein, au milieu. Voilà. Vous laissez l'espace de la tête du cou et vous faites le dos. Et on se revoit après. Alors, vous voyez, là, c'est l'espace là où il y a l'encolure de devant et l'encolure de derrière. Alors, vous pouvez jongler. Ce qui est très bien, c'est qu'avec ce système de montage, vous faites l'encolure que vous voulez. C'est-à-dire que moi, j'ai fait une encolure dans le dos beaucoup plus grande pour que ça fasse joli, que ça fasse une jolie retombée de dos que vous avez vue. Donc ici, là, ma couture dans le dos fait 20 cm. Et la couture qui est devant, ici, fait 30 cm. Voilà. Après, vous jouez, vous faites comme vous voulez. C'est juste la petite couture qui va vous créer le côté décolleté ou le décolleté dans le dos. Voilà. Maintenant, vous allez... Alors, vous restez toujours, bien sûr, à l'envers de votre ouvrage. Hein. Donc là, on est à l'envers parce qu'on voit mes coutures. Donc, vous restez toujours à l'envers. Voilà. Et on va créer maintenant la couture sur le côté en laissant bien sûr les bras. Hein. Allez, je positionne et voilà. Je vous refais voir. Vous avez en fait plié en deux, vous voyez ici, vous avez plié en deux votre ouvrage. Voilà, ça c'est mon devant puisqu'il est le plus grand et derrière j'ai l'encolure du dos. D'accord ? Voilà, donc là c'est comme ça que se positionne votre pull quand vous allez le mettre, votre petit top. Et maintenant, ici sur les côtés, vous allez faire la couture. Donc là c'est pareil, vous laissez pour les bras, plus ou moins grands, comme vous voulez. Et vous pouvez faire qu'une partie en laissant ça ouvert, ou la totalité. Voilà, après ça dépend ce que vous mettez en dessous. Ici, comme je vous disais, hein, tout au début, vous pouvez mettre un t-shirt très fin manche longue pour les demi-saisons, un petit débardeur pour l'été. Donc en dessous, comme vous avez toujours quelque chose, vous pouvez laisser plus ou moins des ouvertures. Voilà, d'accord ? Voilà. Allez, c'est parti, la couture c'est la même. Je fais ma couture, je vous dis ce que j'ai laissé. Et vous ferez aussi selon votre envie. Et bien voilà, mesdames. Moi, donc, j'ai fait la couture sur le côté. Bien sûr, on ne touche absolument pas le bas parce que c'est ce qui est le plus joli avec les ondulations. Hein. À titre indicatif, ici, là, au niveau ouverture des bras, j'ai laissé 18 cm. Et moi, j'ai fait la totalité. Après, à vous de voir si vous voulez laisser sur le côté, puisque là, les bordures sont super jolies. Voilà, d'accord? Donc, au niveau couture, ça, c'est bon. Au milieu, c'est bon. Sur le côté, c'est bon. Ben voilà, hein. Toutes les coutures voilà, sont mesdames. Faites. Normalement, alors, votre top, s'il est court, votre tunique, si elle est longue, est fini. Voilà, vous avez vu que cette technique est très très facile. On peut du coup prendre plein de points puisque ça se crochette en hauteur et c'est un grand rectangle, donc c'est hyper facile à faire. Que demander de plus? Voilà, et bien écoutez, maintenant éclatez-vous, tranquillou, et surtout n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, ça me fait un petit coup de pouce. Le petit coup de pouce sur YouTube et venez me rejoindre sur Instagram. Et bien, je vous dis à très vite et je vous fais un gros bisou. Pour réaliser donc cette tunique ou ce top, c'est très facile. C'est deux rectangles, hop, un et deux, voilà, sur lesquels on va coudre de ce côté et de ce côté. Vous allez pouvoir faire ici les encolures ou les décolletés que vous voulez, puisque c'est que la couture qui va le créer. Et ici, sur les côtés,
vous pouvez coudre entier ou pas. Donc du coup, techniquement, c'est très très facile. N'hésitez pas à prendre cette technique, à changer de point si vous voulez, si vous en avez qui vous plaisent. Par exemple, parmi la liste de points que je vous propose en vidéo ou sur mon blog. Et vous pouvez vous éclater à faire des tuniques ou des tops avec cette technique-là qui est très très facile. On peut faire à toutes les tailles, on peut faire les décolletés que l'on veut. Ma foi, facile. Allez, c'est parti mesdames.